Ik ben in 1980 in de tijd naar Fort in Keulen getrokken en daar is mijn carrière dan begonnen. J'ai fait un stage pendant mes études pour BMW, donc à la fin de mes études. Et en sortant de mes études, j'ai travaillé d'abord pour Ford et ensuite je suis revenu chez BMW. En fait, j'ai commencé chez Audi il y a 15 ans. Après des études de design à l'Art Center College of Design en Suisse, j'ai fait ensuite la Skoda, où j'ai eu la possibilité de dessiner la Fabia et l'Octavia. Ensuite, retourné chez Audi où j'ai dessiné la 2, les R8 du Mans et par après les Lamborghini 7 ans, où j'ai fait renouveler toute la gamme et puis depuis 2 ans pratiquement chez Seat. Par dessiner, donc on est toute une équipe de designers, une équipe de designers extérieurs, une équipe de designers pour l'intérieur, et donc on propose tous nos dessins, on les met sur les murs, on fait des présentations donc pendant quelques semaines, et certains d'entre nous sont sélectionnés pour faire une maquette, et à partir de ce moment-là on avance tous en compétition, chaque designer extérieur avec sa voiture, jusqu'à ce qu'il reste un designer pour l'extérieur et un designer pour l'intérieur. Ce modèle, le résultat, donc, est-il loin de votre premier dessin ? Non, ça a gardé le thème de départ, mais certainement les voitures sont toujours un peu plus émotionnelles au départ, et puis évoluent, de plus en plus on travaille avec les ingénieurs, avec l'aérodynamisme, donc c'est vraiment c'est un travail ici d'un an et demi, donc c'est clair que la voiture évolue. Entre le premier jour et la voiture de production. Oui. Et est-ce que BMW vous donne beaucoup de liberté pendant la création ? Oui, au départ d'une phase de dessin, on a toujours beaucoup de liberté. Dans le cas de cette voiture-ci, c'est clair qu'on voulait que la deuxième génération d'X5 soit tout de suite reconnaissable, mais en général, on a beaucoup de liberté, oui. België zelf heeft een roemrucht verleden wat auto's betreft. Denk maar aan een merk als Minerva. Is dat voor u abstracte geschiedenis of voelt u daar nog iets bij? Dat is zeker geen abstracte geschiedenis voor mij. Bijvoorbeeld als ik aan het Royal College of Art studeerd heb in Londen, moesten wij een studie doen over een bepaald merk. En dan heb ik Minerva gekozen. En ik heb daar een werk met ongeveer 10.000 woorden van gemaakt. En ook tekeningen van Minerva's gemaakt. En ik heb vandaag in mijn bureau nog altijd een radiatorkopstuk dus, van Minerva staan. Vindt u het jammer dat België geen wagen meer heeft? Jazeker is het jammer. Maar als ik denk, er zijn bijna 100 merken geweest in België. Dat was ongeveer hetzelfde in andere landen. Zoveel merken zijn verdwenen over de jaren. Alleen de sterke merken hebben overleefd. Ja. Er gebeurt heel veel op niveau van design in België. Er zijn heel veel jonge designers, zowel in de mode als in de meubelindustrie. Volgt u dat nog of is dat veraf? Het is niet altijd gemakkelijk. In Engeland wonend, Belgisch nieuws, gelijk welk thema, in feite te kunnen vervolgen. Natuurlijk een beetje uit de modewereld, dat kan men altijd vervolgen, wel eens internationaal ook bekend is. Maar in andere bereiken, zoals meubels of zo, is het niet zo gemakkelijk. Giorgetto Giugiaro, die man is een legende. Wat heeft die man u beïnvloed of toch helemaal niet? Jazeker, ik geloof elke designer is ergens door het werk van Giorgetto Giugiaro beïnvloed. Ook van de andere Italiaanse groten zoals Pininfarina en ook Marcello Gandini van Bertone in der tijd.
Men is met die ontwerpen, speciaal in de jaren 70, als er heel veel showcars werden gemaakt, men is daarmee opgegroeid en men was dan van geïnspireerd. En ik kan ook zeggen, ik heb maar een project gedaan in concurrentie tegen meneer Giugiaro. Mijn ontwerp is uiteindelijk gekozen worden, dus ik heb ook goede herinneringen langs die kant. Er is veel talent. U hebt ook een getalenteerde collega, Luc Donkerwolke. Het is misschien een moeilijke vraag, maar wat vindt u van zijn werk? Ja, Luc heeft prachtig werk gedaan, speciaal bij Lamborghini. En wij gaan al enige tijd terug. Ik heb in de tijd, als ik nog bij Audi gewerkt heb, heb ik Luc in mijn team gehaald als jonge designer, direct van de school. En ik heb hem dan ook meegedaan naar Skoda en daar heeft hij aan de Octavia Combi bijvoorbeeld en aan de Skoda Fabia gewerkt. En is dan terug naar Audi gegaan en heeft dan voor Lamborghini de Murcielago en de Gallardo ontworpen, die voor mij ongelooflijke ontwerpen zijn. Hij heeft prachtig werk gedaan. Quels ont été vos challenges dès l'introduction du Team Seat? En fait, ça a été de restructurer tout de façon à me donner plus de temps de nouveau pour travailler sur les voitures et ne pas faire du management seulement, mais vraiment de faire du design automobile, c'est-à-dire recréer une aile, je dirais, dynamique de création et fomenter le design, l'innovation et la perfection dans le design. Votre métier était l'aboutissement d'un rêve d'enfant ? Oui, bien sûr. Je ne sais que dessiner des voitures et je n'ai su que dessiner des voitures et je suis fasciné par le fait de pouvoir rendre à l'automobile ce qu'elle m'a tant donné. Après un passage chez Lamborghini, n'est-ce pas moins glorifiant de travailler pour une marque un peu plus populaire ? Pas du tout. En fait, c'est au contraire la preuve d'une grande confiance, le fait de pouvoir dessiner des voitures qui ont une importance tellement stratégique pour le groupe Volkswagen. Donc ça, on parle au moins d'un demi-million de voitures par an et ça c'est vraiment fantastique. Quelles sont les contraintes les plus importantes dans le processus de design d'une voiture ? C'est d'abord le processus de ce que j'appelle en anglais le ideation process, le processus de trouver les idées, le concept, et ensuite de pouvoir vraiment travailler sur la production, de se battre pour chaque millimètre. Donc c'est un processus qui dure à peu près un an, de la première ligne jusqu'au design freeze, ou à la congélation du style, et ensuite il y a à peu près 2 ans d'industrialisation. Est-ce que vous avez encore d'autres projets pour BMW ? L'actualité pour le moment, c'est donc on vient de montrer les deux concept cars du X6 à Francfort, et donc dans les mois qui viennent à la sortie de ces voitures là. Donc c'est une voiture dont j'ai fait l'extérieur aussi, et voilà, pour moi évidemment c'est un projet beaucoup plus émotionnel encore que le X5, parce que c'est une voiture qui n'existe pas encore sur le marché. Et alors, je terminerai cette interview avec un petit clin d'œil. Je vois ici derrière moi des petites planches de la BD Michel Vaillant. Vous nous expliquez un peu pourquoi ces planches de votre bureau ? En fait, ma carrière commence par Michel Vaillant. J'ai eu la malchance ou la chance d'être malade de diphtérie au Burundi à l'âge de 4 ans. Et mon père a trouvé un Michel Vaillant à Bujumbura me l'a amené, et pensant que j'étais trop jeune, mais ça a été le début d'une passion qui ne m'a pas quitté. Donc j'ai voulu la rendre aussi à Jean Graton en dessinant des Vaillants. Donc je n'ai pas arrêté en fait de dessiner des Vaillants au cours de ma jeunesse, et maintenant je dessine des Vaillants pour Jean Graton, et c'est d'ailleurs un des invités de cette soirée, et c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Ça a été la seule constance dans ma vie et le reste. Nog een allerlaatste vraag dan. Van uw eigen Bentleys, als u er één mag mee naar huis nemen, u krijgt een cadeau van Bentley zelf. Welke van uw eigen wagens neemt u dan zelf mee naar huis? Een Continental GT. Zeker. Dankjewel, meneer Van Braken. Hartelijk dank.